Coucou! Aujourd'hui, je continue la série de Marie et Médor à la campagne. Dans la nature, pas à la ville, pas à Paris. Marie et Médor sont en Normandie. Et cette série est destinée à un niveau débutant débutant avancé si tu es un débutant total <laughs> eh bien je te recommande d'aller sur mon site parce qu'il y a maintenant un cours en ligne qui s'appelle le baby stage et qui est parfait pour acquérir les bases du français aujourd'hui je vais te raconter Marie et Médor à la campagne et cet épisode S'intitule Le pommier. Le pommier est un arbre qui donne des pommes. C'est l'arbre qui produit, qui donne des pommes. Et en Normandie, il y a beaucoup de pommiers et de pommes. pour acquérir le français naturellement. C'est le week-end. C'est dimanche. Dimanche matin. Le matin, pas l'après-midi, pas le soir, c'est le dimanche matin, le week-end, et Marie et Médor sont à la campagne en Normandie. Le ciel est couvert. Il y a des nuages dans le ciel. Le ciel n'est pas bleu, il est couvert. Mais il ne pleut pas. Non il ne pleut pas il y a des nuages mais il ne pleut pas médor médor se promène il se balade il est dehors il est à l'extérieur il n'est pas dans la maison médor se promène dans un verger dans un verger, dans le verger, il y a des arbres fruitiers, des arbres qui donnent des fruits. Et dans le verger où Médor se promène, il y a des pommiers. Il y a des pommiers, les arbres qui donnent les pommes. Il y a beaucoup de pommiers, il y a une multitude. Deux pommiers. Médor se promène, il marche dans le verger. Il est content. Médor se promène et soudain, dun dun, soudain, oh Médor voit un pommier. C'est un pommier nouveau. C'est un nouvel arbre dans le verger. Médor voit le nouveau pommier, le pommier, et il pense Oh, c'est bizarre. Hmm, c'est bizarre. Hier, c'est-à-dire samedi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, hier, Samedi, il n'y avait pas de pommier ici. Hmm, bizarre. Hier, je n'ai pas vu de pommier ici. Médor s'approche. Il s'avance. Il s'approche de l'arbre. Il s'approche du pommier. L'arbre parle. L'arbre dit à Médor Oh. Certains, quelques, certains arbres poussent ou poussent, grandissent très vite, très rapidement, comme moi. Hmm. Médor pense que c'est bizarre. Médor s'approche de l'arbre. Médor regarde l'arbre. Il observe l'arbre et il dit à l'arbre Oh, c'est bizarre. Tu as des mains. Des mains. Avec cinq doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Une main avec cinq doigts et une autre main. 1, 2, 3, 4, 5. Cinq doigts. Tu as des mains. C'est bizarre. Je n'ai jamais, jamais, jamais vu des arbres, un arbre, avec des mains. Mais l'arbre lui parle, l'arbre lui répond Oh, certains arbres, quelques arbres, pas tous les arbres, certains arbres ont des mains, comme moi. Et l'arbre dit à Médor Viens, viens, viens manger une pomme mes pommes sont mm, délicieuses viens mange une pomme mais médor continue de regarder l'arbre il continue d'observer le pommier médor dit à l'arbre oh c'est bizarre tu as deux une, deux, deux oreilles. Tu as deux oreilles. Je n'ai jamais, 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 jamais vu d'arbre avec des oreilles. Je n'ai jamais vu un arbre, un pommier, avec des oreilles. Mais L'arbre lui répond. Il dit à Médor Oh, certains arbres ont des oreilles. Certains arbres, pas tous les arbres, mais certains arbres ont deux oreilles, comme moi. Viens, lui dit l'arbre viens, viens manger une pomme délicieuse. Mais Médor. Mmh, est confus, il est perplexe. Il observe, il examine l'arbre. Médor dit à l'arbre Tu es en train de parler avec moi. Tu parles avec moi en ce moment. Tu es en train de parler. Oh, je n'ai jamais vu ou entendu un arbre qui parle. C'est très bizarre. Mais l'arbre lui dit, certains arbres parlent, comme moi. Viens, viens, viens manger une pomme. Mes pommes sont exquises. Mais Médor ne veut pas manger une pomme. Non. Médor n'a pas faim. Il n'a pas faim. Il ne veut pas manger une pomme. Médor regarde l'arbre. L'arbre a des feuilles. Hmm, il a des pommes et il a des feuilles aussi il a beaucoup de feuilles beaucoup de feuilles mais dit à l'arbre oh les autres arbres les autres pommiers dans le verger n'ont pas de feuilles elles n'ont pas de feuilles C'est normal parce que maintenant en ce moment, c'est le mois de novembre. C'est novembre. En novembre, les arbres n'ont plus de feuilles. Les feuilles des arbres pouh, sont tombées. Sont tombées par terre, sont tombées sur le sol. Mais toi, tu as beaucoup de feuilles. Le pommier dit à Médor Oui, c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas faux. Tu as raison. Les arbres n'ont plus de feuilles. N'ont plus de feuilles en novembre. Les feuilles des arbres sont tombées en novembre. Comme moi, L'arbre tremble. L'arbre tremble et les feuilles de l'arbre tombent. Toutes les feuilles du pommier tombent, tombent par terre. Les feuilles du pommier tombent par terre. À ce moment-là, toutes les feuilles sont tombées. À ce moment-là, il n'y a plus d'arbre. Oh l'arbre a disparu. Pouh À la place de l'arbre, il y a Marie. Il y a Marie. Marie rit. <laughs> Marie dit à Médor Ha ha ha, Médor Ha ha ha. Je t'ai fait une blague. Ha ha ha. Je t'ai, je t'ai bien eu. <laughs> Mais Médor ne rit pas. Médor regarde Marie fixement. Il la regarde fixement et il ne rit pas. Médor regarde Marie fixement et puis après il s'en va. Il s'en va. Oh, Marie s'arrête de rire. Marie n'est pas contente. Marie <laughs> est vexée. <laughs> et voilà, <laughs> c'est la fin de l'histoire mets dans les commentaires si tu as aimé l'histoire est-ce que toi aussi, tu fais des blagues à tes amis ou à ta famille quelle sorte de blague est-ce que tu fais mets-le dans les commentaires j'essaie toujours de répondre et va sur mon site aliceayel.com pour écouter et pour lire la version dans le passé et cette version aussi de la vidéo. Tu peux écouter une voix différente de la mienne, c'est une voix d'homme, une voix masculine, et ainsi tu peux acquérir le français efficacement et naturellement. A bientôt